les impressions. Alors, tu penses que Fred, là, tu vas le sécher ou pas là? Fred? Tu vas le sécher, là, quoi. Vas-y. Mais, bon, mais attends, je compte sur toi, là, quand même. Attends. Bon, Fred, il débute, écoute, quand même. Il n'y a pas de problème, tu ne sèches pas. Hein. Je vais lui poser la question, après. Bon. Challenger de Fred. Où est Fred? Fred, les impressions, parce que c'est quand même ton... Hein, c'est ton concurrent direct. Mon concurrent direct. Pense quoi. Alors il m'a dit on va le sécher Fred tout à l'heure. Bon, je sais pas. Hein. Il a mis un là. Toi t'as mis zéro là. La bataille de toute façon est lancée. Il n'est pas gagné d'avance, mais elle est lancée. Elle sort, et oui, mais j'ai remarqué. Mais c'est pour ça que je suis venu. Hein. Je suis déplacé exprès moi pour le forum pour filmer pour ça. Sinon je ne pas venu. C'est vraiment un honneur. Bon, c'est mieux. Bon alors merde, écoute, c'est pas sérieux. Moi je suis là pour filmer la bataille quoi, et tu mets un pied là. J'ai quelque chose à ajouter. Ah, vas-y alors, dis-le. Quand ça fait 30 ans qu'on fait justement des compétitions en jaune, moi j'ai rien dit. Je pense que moi ça fait un an et demi que j'ai démarré. Il y a une différence. Mais après c'est le travail, c'est l'efficacité. Bon, enfin, bon, on va pas être méchant. Bon, écoutez, débrouillez-vous entre vous. Hein. Moi je suis neutre. Hein. Bon là Fred il est stressé là, parce qu'il y a une marche là, regarde. Ah non, celle-là ils auraient pu la laisser de marche quand même. Hein, une marche sur ma peur. Ils auraient pu la laisser de marche. Alors qu'est-ce que tu penses de ton élève là derrière? L'élève est un peu précipité. Ouais. Il est un peu jeune, là, tu vois pas encore assez de quinquin. Jean-Marc, tu pouvais l'initier un petit peu. C'est pas. Du dopage, ça ferait pas de mal peut-être. Hein. J'espère que surtout. J'espère surtout que j'allais lui faire au moins deux pieds. Ouais, je vais lui demander alors. Là, il y a un vieux bouscard là. Hein. Du trial régional. Mais non, tu dis ça. Déjà, 30 ans de jaune, déjà, ça déjà, il sent les frémissements de la jeunesse qui arrive, il commence à se cacher derrière des... je suis vieux, je serai fatigué. J'avoue, mon avage... Il y a des... C'est grand.
Mets du gaz quand même là. Wow. Ça va sortir alors ou pas? J'espère. T'espères qu'il va mettre le pied? On n'espère pas la chute de l'adversaire. Comme ça, merde. Égalité. Non, ne prends pas, ne prends pas de biscuits, il se dit. Non, non, attention. Ah bon, c'est des laxatifs, ouais. Bon, on peut y aller nous en fait ou pas, qui c'est qui reste? J'ai l'impression qu'il est stressé. C'est bon, non, je te jure, je sais pas pourquoi, ça c'est une petite connerie. Alors. C'est bon, faut la sortir. Pousse, 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 pédale, 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 pédale. Accélère, accélère, accélère. Ouais, oh, 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 bat-toi, bat-toi. Oh putain, bat-toi pas trop. Il n'y a pas que le caméraman qui tremble, là. Hein. Il y en a qui tremblent les pieds. Doucement, à l'accélérateur, là, doucement. Et puis vite, on va aller à fond de mon vidéo.
le fameux challenge. Le challenge de Saint-Martin de Valgalgue. Très très dur. Alors ça c'est trialiste breton, là à gauche c'est le breton, à droite en rouge c'est quoi, italien un peu, non? Non, italien, je fais italien un peu quand même. Bon, il pleut, nous on s'en fout, on a fini, tu remarqueras quand même. Tu veux dire, qu'est-ce que t'en penses alors du challenge? T'es optimiste ou pas alors? Je vais porter réclamation. À cause? Cet arbre, ouais. Ah oui, t'as oublié. C'est grave quand même. J'étais un peu énervé. Hein. Ça m'a un peu déconcentré, si tu veux, sur les zones d'après. Bon, en plus, je cherchais mon chemin, donc j'ai eu du mal à trouver. Avec son truc jaune. Cette interzone de merde, là. Il y avait une toute petite interzone de merde. Ah ouais. Un petit peu, on partait n'importe quoi, n'importe où, là. Ouais, t'as raison, c'est qu'à se fracasser, alors ça m'a...